mignon. Ouais. À tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, jour numéro 5, on vous emmène avec nous. Hello à tous! J'espère que vous passez un bon week-end. Nous, c'est le début du week-end. On est samedi. La nuit fut compliquée. Voilà quoi, hein Louis? Oui, ouais, la nuit fut un peu compliquée. Donc là, on n'est pas trop réveillé, mais bon, ça va le faire. Pardon. Ce matin, je suis toute seule avec Louis et Rose, puisque Théo est allé aider son oncle. Donc là, il doit être sur la route. En ce qui nous concerne, Louis est prêt. Je suis habillée et je vais, bah, comme d'habitude, un petit peu, mais ranger la maison. Je range la maison, je fais la vaisselle et ça sera déjà pas mal avant la sieste de Louis. J'ai pas pris de café encore, mais bon. Faudrait pas que ça devienne une addiction. Et voilà, du coup je vais rien prendre ce matin. C'est parti pour la journée, faut que je lance des machines aussi parce que là, il y avait beaucoup de linge caché. Vous savez, le linge qui est à côté du lit, mais pas de votre côté. Du côté que vous voyez pas. Du coup, là, j'ai trouvé du linge comme ça, par hasard. Et donc, il se trouve que maintenant, j'ai pas mal de linge à faire. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Je crois qu'un adolescent à peu près d'une 29e d'année est passé par là hier soir. Je retrouve des vestiges de bonbons et sucreries avec un yaourt. Ben non, il avait faim hier soir. Oui, parce que hier on a mangé des crêpes à 19h, des crêpes sucrées, et en fait après on n'a pas mangé. Et à mon avis, le petit creux a sonné cette nuit.
que t'es beau! Tu sais que c'est toi mon amour là dans le miroir. Bon, avant que ton frère attaque les couches, hein, qu'est-ce qu'il faut? Je viens de récupérer des outils histoire de bricoler ce matin. Là j'ai 40 minutes de route à peu près. Donc ça roule. Marie est restée avec Louis et Rose à la maison, c'est quand même plus confortable. Et puis voilà, voilà, j'en ai je pense pour la matinée. Et donc j'ai pris ce qu'il faut. Histoire de bricoler. De réparer un plafonnier, de transporter deux canapés, enfin voilà, j'ai pris ce qui me semblait être utile. Je file. Pendant ce temps-là, du côté de Marie. Bon, Louis est en porte-bébé. Je mets ma doudoune. Et on y va. Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Ouh, la journée va être longue. On y va, ma poupette. Ouais, on va mettre la laisse. Ouais. J'ai réussi à sortir plus tôt de la maison ce matin. J'ai lancé une machine, comme ça quand je rentre, je peux l'étendre. Par contre, j'ai pas fait la vaisselle, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Je ferai tout à l'heure. Et puis voilà, on prend l'air, ça fait du bien. Il a plu cette nuit apparemment parce que c'est trempé, mais il fait bon, donc on en profite. Allez, ma poupée, vas-y, devant. Devant. Non, 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 pour toi. Pour toi. On arrive, là on passe devant le château de Chantilly. Je ne sais pas si parmi nos abonnés vous connaissez, si vous êtes déjà venu. Nous j'avoue qu'on l'a visité il y a très peu de temps. Et c'était plutôt mignon. Donc je disais que là on vient de passer devant le château de Chantilly. À côté il y a l'hippodrome. C'est vachement joli, il y a des grandes écuries, c'est vraiment. Bon ça date d'il y a très 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 longtemps. Et c'est une très jolie ville, c'est assez médiéval, assez. Je sais pas ce que je raconte, mais c'est très joli, disons. Donc on ne devrait pas tarder à arriver. Et puis voilà. J'ai que des chaussettes célibataires. On vient de monter un canapé, il en reste un. C'est une galère, ça passe pas dans l'ascenseur.
Mission terminée pour aujourd'hui. On rentre à la maison. J'ai retrouvé Marie qui s'est occupée de Petit Loup et de Rose. Donc je pense qu'elle a besoin d'un coup de main, ce qui est tout à fait normal. Je pense qu'elle est fatiguée. Et donc je rentre pour essayer de seconder, de l'épauler un petit peu et m'occuper de Petit Loup et de Rose. On se retrouve à la maison. Bon, pour être tout à fait honnête, c'était une petite journée bien fatigante aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai mis Louis à la sieste. Il a dormi 2 fois 30 minutes, mais pas tranquillement, etc. Donc, bon, voilà, j'ai eu le temps un petit peu de lire. Je vous ai fait un rush d'ailleurs. Et là, je sors Rose parce qu'elle avait le ventre qui faisait des bruits bizarres. Donc à mon avis, je sais pas, elle avait mal au ventre. Donc là, on est sorti. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et puis voilà, Théo n'est toujours pas rentré. Il est 17h. Il devrait rentrer vers 18h apparemment. Donc on a été toute la journée tous les trois. C'était pas évident. Et bah c'est ce que vivent les femmes seules ou la journée quand leur mari est au travail. Donc voilà, je comprends totalement ce que c'est. Donc bon, ouais, pas facile là aujourd'hui. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Mais bon, là on se balade, ça fait quand même du bien de sortir un petit peu, de prendre l'air. J'ai réussi à faire ma vaisselle qui me désespérait ce matin. J'ai fait une préparation à gnocchi, patates douces, trio de poisson, ail pour Petit Loup tout à l'heure. Donc il faudra que je les cuise dans l'eau évidemment. Et puis voilà, j'aurai plus qu'à les mettre dans l'eau, comme ça c'est déjà prêt. Et puis voilà quoi. Bon, bah en tout cas, on espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, à mon avis, on va clôturer la vidéo bien fatiguée tous les deux avec Théo. Mais si on fait pas de fin, je vous la fais maintenant, comme ça. Je suis toujours sur la route du retour. Je suis en train de longer l'aéroport Charles de Gaulle où d'ici on peut bien voir les avions forcément décoller puisque c'est un aéroport. C'est pareil logique. Voilà, il me reste un quart d'heure, 20 minutes de route. Je vais pas tarder à arriver et j'ai hâte. Oui, j'arrive. On va manger. Oh, ouais. Waouh. Waouh, mais c'est tout beau. Ah oui, ça va être compliqué, ça. Mais... Ah, il a... À vendre pyjama presque jamais servi, taille un peu grand. Mais boutons très solides. Ben sur ce, on espère que vous passez un bon week-end. Rose, on va à gauche. Non, t'as raison, on va à droite. Il y a des jours. Vous passez un bon week-end et puis à demain. Ciao.